Pero me provoca, me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer. Dicen que está loca, pero me provoca, me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer. Cada vez que duerme aquí en mi cama, hacemos el amor cada mañana, me pide Kama Sutra otra vez. Me dice que yo soy mejor que él. Yo me la hago 7 veces a la semana. Ella me dice calladito que me ama. Conmigo dice que ella siempre tiene ganas. Que en su castillo soy el rey y ella mi dama. Dicen que está loca, pero me provoca. Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede comer. Tratarla bien, estilo Louis Vuitton Chanel. Gucci le mata, ella perrea por la plata. Dicen que está loca, pero me provoca. Me dice que no quiere estar con él, pero a mí no me puede convencer. Dicen que está loca, pero me provoca. Me dice que no quiere estar con él. Nous sommes le 8 février. Bonne fête à toutes les Jacqueline et particulièrement à ma petite mamie qui me regarde de là-haut. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'arrière-son d'avance. Écoutez, ici ça va. Après une micro-sieste, je suis allée courir. Hier j'ai couru, j'ai fait quoi hier? Plus de 6 bornes, je crois. Enfin, j'ai couru 45 minutes, ça faisait plus de 6 bornes, une allure modérée. Et aujourd'hui, je suis allée courir dans mes montagnes. Et pareil, j'ai fait 6,5 km, je crois. Donc voilà, je suis plutôt contente. Maintenant, je mange. Et puis après, ça sera bientôt l'heure. Je vais à la douche et ça sera bientôt l'heure que j'allais récupérer les enfants à l'école. Et je vais après chez l'esthéticienne. Et puis les sourcils. Et j'ai pole dance, soca dance ce soir. Je vous fais un petit topo du coup d'hier. Alors hier on était mercredi, donc je vous ai fait voir un petit peu ce qu'on a fait, mais j'ai pas pris la caméra plus que ça parce que bah, du coup avec les enfants voilà, c'était un peu plus compliqué que prévu. Donc voilà, j'avais fait, bon là c'est les restes, vous savez, j'avais fait les petites galettes, c'est pour toi ça mec, j'ai partagé, j'en ai une dans le micro, c'est les restes hein. Faut que je regarde. C'était super bon, les petites galettes de courgettes là hein, mon mec, c'était super bon. Et alors le gâteau, et franchement, il faut trop que je vous partage la recette. Il est, et même Vincent l'a dit, donc pour Vincent, dit, parce que Vincent n'est pas du tout sucré. Hein. Il est super bon. Attendez, je zoomasse un peu. Il est vraiment très très bon. Et une part, ça fait même pas 100 calories. Donc franchement, ça me va très très bien. Bref, je mange et je vous reprends plus tard. Bon, je suis rentrée de la pole. J'ai déjà pris ma douche. Il est 9h10. 9h10, on va manger ce soir au menu, donc c'est Vincent qui a fait à manger. Bon, les enfants, vous voyez, c'est pas tous les soirs de la grande cuisine, c'était ravioli. Voilà, impeccable, avec un bout de fromage. Et en entrée, c'était concombre tomate. Voilà, vous savez, classique. Et pour nous, c'est des lasagnes de légumes, mais que avec du légume. Genre une feuille de... genre courgette, jambon, feta, courgette, jambon, feta, courgette, jambon, feta. Et voilà, ici tout. Voilà, ça a l'air fortement bon. Et il y a du gruyère pour griller un petit peu, tu sais, par le dessus. Voilà. Voilà pour tout ça. C'était un vlog qui est plutôt court. Mais j'ai pas tant autre
chose à vous montrer pour aujourd'hui. Demain, vendredi, j'ai rendez-vous au kiné demain après-midi. Ah si, je voulais vous faire voir ça. Donc, faudra que je me détende. J'aime bien quand kiné, j'ai dit kiné, j'aime bien aller chez l'ostéo, mais ça fait tout le temps mal après, donc bon, faut que j'y aille. Et vous allez peut-être pas me croire, mais depuis que voilà, j'ai repris le crossfit, ça fait quand même 3 séances maintenant. Ouais, j'ai moins mal à mon épaule. Alors je dis pas que je n'ai plus mal, attention, mais j'ai moins mal, donc tout est lié, hein, tout est lié. Je suis à l'inter du coup, par rapport à mes sourcils. Voilà, magnifique, on est tout de beauté. Et du coup, j'ai repris des œufs parce qu'on avait besoin d'œufs. J'ai pris un jus de fruits, multifruits pour l'école, puisqu'il nous faut ça. Je vais prendre ça. Et il faut des œufs. Donc, je vais leur mettre 2 œufs. Voilà. Clac. Et il faut. Nos jus de fruits. J'ai repris quoi d'autre? J'ai repris ma ricorée puisque je n'en ai plus. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai bu un café à 4h. Enfin, après manger, là, à 3h30. Et ben, oh, pardon. Je n'avais pas bu de café depuis bien samedi, voire vendredi dernier. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, j'ai repris mon rythme de ricorée et ça me va très bien. Donc j'en ai repris un petit paquet, pourquoi petit? Parce que moi ça me va dans mon placard que de prendre les gros. Voilà, donc je prends toujours un petit comme ça. Ça me va très bien. J'ai repris quoi d'autre? J'ai pris du cadom, bébé cadom là, au nettoyage, au sans rinçage, parce qu'on en a plus et que je ne suis pas allée à la pharmacie. J'ai repris du lait pro vanille puisque j'ai entamé la dernière brique et que j'ai peur qu'il n'y en ait plus dans le drive, donc j'en ai racheté. Et c'est ça que je voulais vous faire voir pour les amateurs de vin. j'ai pris, je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je pense que oui, Côté des Roses. J'ai repris une bouteille. Alors en fait, elle est en promo, au lieu de 8€ la bouteille, elle passait à moins de 4€. Donc j'en ai pris une en rosé et j'ai pris un petit vin blanc. Voilà. Je ne compte pas. C'est un chardonnay, oui. Je ne compte pas les boire tout de suite, mais je vais bientôt avoir un événement sportif et je pense que je me ferai du coup plaisir après cet événement. On se fera un bon petit repas et. Et puis voilà, ça valait le coup, ça faisait 8€ à peu près les 2 bouteilles. Alors qu'en temps normal, ouais, ça faisait pratiquement moins 50% du coup le lot. Donc voilà, j'arrive plus à parler. Il est temps pour moi de clôturer le bleu. Mais non. Mais tu me dis ça avec un grand naturel. Genre ça marche? Je sais pas, je vais essayer. Je te dis ça, tu veux que je fasse quelque plus. Bah, je sais pas, tu me dis au fait, Raph, t'as tordu le trou de la clé. Bah oui, mais tu le dis comment? Au fait, oh, Raph a tordu le trou de la clé. C'est ça. Fais une bonne annonce pour ça quand même. Oh si, fais un bisou à ta petite femme. T'es démonstratif, toi. Hein. J'adore. Ouais, t'as envie de là, je sens que là. Ça fait 2 jours, là, je suis sous pression. Les enfants sont pas faciles. Bah, le boulot aussi, là, bah tant mieux ça d'un côté que t'es du taf. Ouais, mais faut que je sois pour toi. Bah oui. Courage, mon mec, tu veux que je devienne femme au foyer? Par contre, faut ramener v'là l'oseille. Hein. Surtout pas. C'est surtout de t'avoir toute la journée là. Ah bah c'est vrai. Toute une journée, H24, toute l'année, on se supporte pas. Ah non, je pourrais pas me blairer. Toi non plus? Non, en plus, moi je travaille là. Tu pourrais pas me blairer toi non plus? Ah non. Ouais. Mais on sait, mais. On s'aime, mais il faut qu'on ait le moment à nous. Les patrons qui ont leur femme en secrétaire. Oh non, mais ça, je pourrais pas non plus. Bon, chacun ça. Après, il y en a qui arrivent. Hein, mais... Ouais, j'aime pas. Après, par contre, on a hâte d'être à la retraite ensemble. Parce qu'on fera plein de trucs, attends, c'est différent. Déjà, d'ici là. Parce que là, tu me fais peur, parce qu'il y a beaucoup de couples qui séparent à la retraite. Ouais, parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils sont avec un vieux con ou ils viennent code. On va pas repartir draguer à 70 piges. Donc, tu resterais. Vous avez vu, tu resterais avec moi juste parce que tu voudrais pas te remettre avec quelqu'un d'autre.
Non. Alors moi, je viens de te dire que j'avais envie d'être avec toi parce que je veux faire des randonnées. Moi aussi, mais à 70 ans. Je suis pas sûr de pouvoir faire... Bon, on sera pas à la retraite à 70 ans. Hein. Oh bah, d'ici à cette allure, si. Non. Écoute, si t'as envie que nos chemins se décroisent, moi j'ai envie qu'ils restent bien croisés comme ça et qu'on aille dans la même direction. Ils seront croisés. Tu vois. Et qu'à la retraite, je serais content d'être à la retraite avec toi, par contre, parce qu'on n'aura pas la pression des enfants. Après, écoute... Si on a une retraite. Ouais. Mais bon, on verra d'ici là si t'as envie de rester avec moi. Ta phrase, elle donnait pas envie là. Non, c'est je te parlais que si tu te vois, je 24 toute l'année, 24. Bah oui, justement. Moi, je te dis. Je te dis, imagine. Après, à la retraite, on va être tout ensemble, donc ça fait peur quand tu me dis ça. La mentalité change après. C'est pas pareil. Si au contraire, tu t'es pas vu de toute ta vie avec ta compagne, à la retraite, tu la vois. Et puis là, d'un coup, tu me vois, tu vas faire. Oh ! Mais t'es qui ? T'as plein de traits sur ton visage. Ça, c'est que j'ai Alzheimer. Non, tu verrais qu'il y a plein de traits sur mon visage. Je vais être toute ridée. D'ailleurs, je regardais. J'ai pas un pet de cheveux blancs. Hein. Moi non plus. Mais le jour où je vais en avoir un, par contre, là, ça va mettre une claque. Hein. Moi, j'ai des traits et des cheveux blancs. Toi, t'as des cheveux blancs, des poils blancs, et t'es déjà ridée de tout là. Non, mais ça, c'est à force de foncer, ça aussi. Mais t'es beau quand même. Faut pas me stresser. On stresse plus, j'ai. Bon, bah, allez, je vous laisse avec ces doux compliments. On s'aime, hein, je vous assure. Même s'il le montre comme ça, il m'aime. Mmh. Ouais. Allez, bisous. T'as acheté un poulailler ? Non, j'ai pas acheté un poulailler, c'est des œufs à mes vies. Hein ? Ça, c'est les miens et ça, c'est les siens. C'est... Donc, ça et ça, c'est pour la maîtresse. Ça et ça, et il faut le chocolat. Il faut que faut là, une tablette. Elle est là. C'est une tablette ? Mmh. Okay. Allez. Bisous, hein. Quiero un hombre que me salve. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Si han equivocado, si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera. Y a mi...